Et moi. UL. 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 Tiré du 8. 06. 50. 06. 50. 06. 50. Vous êtes très nombreux à me dire que vous avez énormément de difficultés à approcher, à aborder des femmes, que ce soit dans la rue, dans un magasin, dans la vie de tous les jours en général. C'est la raison pour laquelle je te réserve cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des phrases et des attitudes d'approche le plus important en situation réelle, dont tu me verras en caméra cachée. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner deux conseils qui vont te permettre de toujours réussir tes phrases d'approche, donc de toujours réussir tes approches. Si cette vidéo t'a plu, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Allez, à tout de suite. Bon visionnage. Excusez-moi. C'est cool que... Ah, tu es au téléphone. Est-ce que tu peux raccrocher une seconde? C'est archi important ce que je te jure. Non, arrête. Tu sais ce qui s'est passé? Je t'ai vu depuis là-bas. Et je suis resté t'attendre. C'est pour te... Non. C'est pour te dire à quel point j'ai adoré ce que je suis en train de voir là tout de suite. Salut. Je me disais exactement que tu m'avais l'air de savoir ce que tu voulais. De savoir ce que je veux. Vous voulez. Tu marchais très rapidement. Je... Ah ouais. On s'est vu là dehors. Et te rattraper, ça a été un calvaire. D'accord. Ulrich. Lui aussi, c'est mon préféré. Ah ouais, ouais. Ah bah c'est doux, ça me trouve pas comment. Je l'ai pris hier, j'ai adoré. Ah ouais, ouais. Je crois pas. Ah pas du tout. Excuse-moi, je vois que tu te diriges à Citadium. Ouais. Parce que tu as envie de te prendre une paire de baskets. Ouais. Sauf que tu as une bague et je commence à douter que tu sois mariée. Ça a été quoi sa phrase d'approche? Non, il me demandait juste où étaient les galeries. Terrasse des Galeries Lafayette. Et c'était sincère? Oui, je pense que oui. Ok, ma phrase d'approche, elle est sincère aussi. Je te trouve très jolie. Bah, c'est très gentil, merci. Tu as dévalisé Zara? Oui, comme souvent. Comme souvent. Oui. Down. Salut. Ouh. Attends, je reprends mon souffle. Qui es-tu? Je suis un peu pressée, en fait, je t'avoue. Tu es pressée? Oui, désolée. Moi aussi, je suis pressée. Donc, ça fait deux esprits qui se rencontrent, deux personnes pressées. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas. Qui es-tu? C'est notre best. Ouais. C'est vous... ça, là? Exactement. Et je suis sûr que ça Et je suis sûr que ça tirait bien. Quand je vois ta morphologie. Le best du magasin, vous voulez dire? Ouais. Ah ouais. Sauf que je travaille pas ici. Bah, j'imagine. Excusez-moi. Elle utilisait, il veut des clopes. Comment ça? C'est ce que tu as dit? J'ai dit non, acheter des clopes. Ah d'accord, j'ai entendu, il veut des clopes. Sauf que je fume pas. Non, mais j'ai dit qu'il fallait que j'achète des clopes. Ok. Tu sors ce soir? Non. Non? Ok. Elle fume combien de cigarettes par jour? Elle se pose la question à savoir pourquoi elle est venue nous parler. Mais du coup, pourquoi? Je vous laisse répondre à cette question. Salut, toi. Une seconde. Oui. Ça se voit, je t'ai fait peur. Oui, un peu, beaucoup même. Un peu beaucoup? Non, je suis désolé, c'était pas mon intention. Oui. Tu vois, regarde comment je descends en tonalité maintenant. Ouais. Juste pour te rassurer, t'as vu. Non, il n'y a pas de soucis, c'est bon. Ok. Ça va? Oui, ça va. Toi aussi, tu as redescendu. Ça va. Sauf que tu as un masque, tu es malade? Hein? Sauf que tu as un masque, est-ce que tu es malade? Je suis pas malade, comme tu prends le métro. Ah d'accord. Tu as traversé la route et tu bois des lunettes de soleil. En dessous, sauf en fait. Que il n'y a plus de soleil. Oui, mais j'ai pas envie de regarder les gens. Tu vois, tu mets les lunettes comme ça, tu peux juste. Tu vois pas les visages. Parce que tu n'aimes pas les gens. Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste comme ça, tu fonces. Ok. Tu vois. Excuse-moi. Ils disent pas aux journaux. Comme d'habitude. Mais s'il te plaît, rassure-moi, ce sont des bonnes nouvelles pour cette fois. Déjà, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pour te récompenser, je vais te donner les deux conseils en question pour toujours réussir tes phrases d'approche. Le premier conseil, c'est de te mettre dans la tête en réalité que la phrase d'approche sert juste à entamer, à amorcer, à t'introduire, à commencer une conversation.
Donc ça ne sert à rien de se mettre la pression par rapport à une phrase, par rapport à ta phrase d'approche. Et c'est l'erreur que trop d'hommes commettent en réalité. Ils se focalisent énormément sur leur phrase d'approche et ça fait en sorte qu'ils sont encore bien plus stressés et ils foirent cette phrase d'approche-là. Le second conseil, tout simplement, c'est de te servir de tout ce qui t'entoure. C'est ce qui s'appelle une phrase d'approche situationnelle. C'est tu te sers de ce que tu vois, tu te sers de ce que tu entends, tu te sers de ce que la fille est en train de faire, de ce que tu penses, et ça rend tout simplement ta phrase d'approche unique et pas réplicable. Contrairement à des phrases d'approche comme je t'ai vu à l'instant, je suis venu te parler. Ça, ce sont des phrases d'approche que tu peux utiliser avec toutes les femmes. Et une chose qui est sûre, les femmes, la majorité des femmes, j'ai envie de te dire toutes les femmes, l'ont déjà entendu, et c'est tout simplement bateau. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais ce que tu vas faire. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes pour ne pas rater d'autres vidéos du genre. Je te dis à la prochaine vidéo.